C'est une soirée essentiellement culturelle à Bamiyo aujourd'hui. C'est dans cette ambiance bon enfant que les jeunes ressortissants Bamingui à Douala se sont retrouvés ce 26 mars 2022, 6 à Bonabéri Mabanda, pour se souhaiter la bonne année. Bamingui, Bamingui, Edibé, Edibé, la cérémonie placée sous l'insigne de l'amour a non seulement brillé par l'élégance et la beauté des membres de ASBAP présents ce jour à Bonabéri, mais aussi par la présence du représentant du chef supérieur Bamingui à Douala. Bonne fête déjà. Si je suis là aujourd'hui, c'est effectivement en ma qualité de représentant du chef Bamingui. Et en second plan, en tant que membre, je venais également ensemble qu'on puisse saluer le joyeux architectural qui a été mis sur pied. Ensuite, l'inauguration de notre belle tenue de réunion. Et jusqu'ici, je pense que les choses se passent encore très très bien. Mais ce que je pense par la suite, c'est de pouvoir avoir cet effectif multiplié par 3. Parce qu'on en a, les jeunes filles et fils Bamingui, dans la ville de Douala. Et notre enjeu, c'est qu'on puisse avoir rassemblé tout fils Bamingui, quelle que soit la différence ethnique. Il n'y a pas de réunion Bamingui à Douala, il n'y a qu'une seule réunion Bamingui, et c'est celle-ci. Donc je suis très fier d'avoir participé à cette fête en tant que membre et en tant qu'élite traditionnelle. Tous sous leur 31, en tout cas, c'est aussi jour de présentation de la tenue d'ASBAP. Un rêve longtemps nourri qui ce jour se réalise et devient une page de l'histoire indélébile pour chaque membre de l'association. C'est nous qui avions conçu le foyer. Avec tout notre effort, nous allons pouvoir finir en 1 ou 2 ans. Pour commencer, vraiment, je vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée pour m'exprimer au nom de l'association Bamingui de Douala. Sincèrement, ça me va droit au cœur. Et c'est une opportunité pour faire rehausser l'image Bamingui d'abord au Cameroun et à travers votre média dans un peu plus loin hors du Cameroun. Mais ceci dit, Bamingui en 1962, on comptait le nombre d'enfants dans le village Bamingui, 1962. Aujourd'hui, mes enfants ont atteint un âge où, franchement, moi-même qui suis natif Bamingui, je ne me retrouve plus. Comme pour dire que quand on accouche un enfant, il faut que cet enfant grandisse et puis rehausser le village comme on est en train de le faire, comme ils sont en train de le faire actuellement. De grands efforts fournis pour arriver là, mais comme le dit en adage de chez nous, qui dit merci, on demande plus. Alors, il y a un point qui me stresse un peu, c'est au niveau de la mobilisation. Pour moi, c'est un problème. Ça a été toujours un problème.
on ne pourra pas avoir tout le monde, mais nous devons avoir le maximum avec nous. Quelqu'un que tu as une politique et président en place. Avec un esprit fédérateur, à ta rassembleur. C'est des dons de Dieu, c'est pas de ton dernier mot, tu vois. On ne réussit pas sa méthode de faire venir des gens à la réunion. Honnêtement, un dans les prières, on a quoi un autre monsieur, de Kundun Bengengong, il y a un seul choix à l'homme de tout ça parce que je ne voulais pas avoir les ennuis avec lui. Comment on est présent? Après, il y a une différence parce que, alors, ma nièce, un fond, il y a 6 ans. Après, c'est l'élection est péché. À quand il joue, hein? Mon couple que comme là dans mon cul, nang dans lui mettez dans moi, tu sors le nang là. Alors là maintenant, le présent il veut monter bien, mais vous apprêtez. Nang il veut sortir les mots maintenant. Une idée, je crois que mon fils pose une idée. Après, j'ai mal au ming au cœur. Donc il y a ce problème de mobilisation qui me dérange sérieusement. Le deuxième point, c'est au niveau de la gestion du cash. Mon maman m'a dit ici, le Tichichile, Ronda. N'a pas ton atout. Quoi tu l'as fini de vraiment. Merci à tous ces anciens qui ont pu être résilients. Il n'y a pas peine de passer un moment difficile. Peu je viens quand même malade, pour que tu as dit pour l'âme. Est-ce que tu peux beaucoup papi? Vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. Parce que bien, tu as tiré ma connu là. Alors qu'à compter de cette première chose, vous avez sécurisé ça. Parce que pour sécuriser, même deux frères, les points combattants sur le même unité, à cause de cet argent-là, pour se séparer, d'abord là, fin j'ai encore. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Derrière le chemin dans le problème de mobilisation, déjà il y a certains qui ne viennent pas parce qu'ils sont découragés. Mais non, peut-être que vous avez dit, ah, non, alors, il y a d'autres qui ne viennent pas parce qu'ils ont volé. Quand on a un bala chez moi, pourquoi pour ça, pourquoi pour ça, pourquoi pour ça. Mais on a introduit un grand frère, Paul Fidel, et son équipe, pour abattre depuis un bon bout de temps. Une semaine avant ce jour, soit le 20 mars dernier, les membres de l'association sous la diligence du chargé des sports, Michel Migwe, ont effectué comme à l'accoutumée une marche sportive qui s'est soldée par des étirements et tout ceci dans un fou rire digne des fils et filles Bamengui. Voilà.
Les fils et filles du village Bamengue, regroupés au sein de Asbab, donnent ainsi une place de notoriété unique dans la capitale économique à ce village situé dans le Onkam et précisément dans l'arrondissement de Kekem. Thank you.
Parvenu au terme de cette cérémonie pour le compte de l'année 2022, nous ne pouvons que souhaiter bon vent à cette association démocratique où le président en poste demande de penser à élire son remplaçant. I'm